Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans l'espace invité, jeudi sous télévision Pacifique. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous M. Jules Graffé Junior. Lui-même, c'est un acteur, architecte. Lui-même, c'est propriétaire d'une compagnie immobilière qui est Montréal. Lui-même, tous ses copropriétaires d'un fonds d'investissement toujours à Montréal. Et lui, c'est un résident canadien. Jules, bonsoir. Bonsoir, Madame Amnid. Même si on acteur cinéma et ou même si on architecte, dis-nous pour qui ça ou aller comme un acteur cinéma, pour qui ça choisit option ça. En fait, si vous regardez bien, ça fait toujours partie de même domaine là, c'est art, c'est domaine artistique. En fait, moi-même, j'ai étudié architecture ici. J'étais toujours dans le milieu là, en Haïti, côté j'ai fait des publicités radio, télé et ensuite sous journal pour plusieurs compagnies comme Minusta et autres. Et Minusta, Maggi Cube, Carnation, Nestlé, Lotion Max. Puis par la suite, j'ai vu une partie de Montréal. Nous avons eu une chance de rencontrer avec des gens qui ont eu une bonne chance pour aller plus loin dans le domaine. Nan. Donc, nous avons toujours aimé art. Donc, c'est ça qui fait m'entrer dans le cinéma. Depuis que vous avez commencé à jouer dans le film? En fait, le premier film, moi, c'est début 2006. Donc, moins d'un an après que je suis arrivé au Canada. Donc, j'ai joué un petit rôle dans un film de Jean-Alix Holman, qui est un grand réalisateur à Montréal, qui était les Obsessions. OK. Dans combien de films au jeu déjà? Bon, environ une douzaine de films, puis mon tournage pour 13e an et 12e an, c'est lui-même qui est mon petit meilleur acteur pour MPH Movie Award qui était fait à Boston le 1er novembre 2015. Et une douzaine de films haïtiens? Exactement. Dis-nous, qui film qui était plus marqué au niveau? En fait, il y a un nombre de deux. C'est. Sans prendre souffle, parce que au même on connaît bien. Hein? D'ailleurs, sans prendre souffle, il est là, mais. Donc, sans prendre souffle, parce que moi-même, son monde qui pour trafic humain, qui compte trafic humain sous toute forme que le cas présenté lui. Puis, ouais, moi, dans le film, ça, c'est un proxénète, justement, qui t'a prostitué fille. Et profiter de Koyo pour me faire l'argent. Et pour moi-même, c'est un gros challenge, c'est un gros défi. Pour plausible un rôle que ou même conviction foi chrétienne ou réalité pas promettre pas comme pas accepter en fait qu'on monde t'a fait ça. Mm-hmm. Donc c'est comme si c'est ton lutte entre moi-même forme plausible forme personnage exactement. Okay. Donc c'est ça pour moi c'est un gros challenge et c'était une belle récompense pour moi qu'en 2011, dans FDMH Movie Award qui était fait Queens aux États-Unis, que j'ai remporté prix meilleur acteur pour film ça. Puis deuxième film, non, c'est Infidèle, pour la simple et bonne raison que le sujet a est vraiment profond, qui parlait de l'importance en relation, lors en famille, pour toujours assurer que ou pas dévier. Pour bonheur famille ou parce que conséquences rien doit grave pour et pour membre de famille qui malheureusement et qui est malheureusement innocent et qui victime de action. C'est qui est-ce qui réalisait deux films ça aussi t'es là? Sans prendre sous c'est Jean-Alix Holman et Infidèle c'est encore Jean-Alix Holman. Nous après nos fins de décrocher un trophée là qu'il soit cadi non bien que téléspectateurs cap garder lui sous plateau. Voilà. Exactement. En fait, pour moi-même, trophée ça, il voulait dire un paquet de bagaille. Moi, apprendre premièrement une grosse leçon que, en fait, m'a expérimenté, qui c'est que là où quoi l'on bagaille, et qu'on essaie en première fois, en deuxième fois, plusieurs fois que ça n'a pas marché, quoi l'on tête tout, fait effort qu'on a besoin pour réaliser rêve, continuer et puis rêve à réaliser, parce que ça fait cinquième édition. Asian Movie Award Boston. Dans 5 éditions, je suis nominé 4 fois pour plusieurs films, pour plusieurs rôles. Mm-hmm. Mais dans la 5e édition, je suis finalement gagné. Et ça fait tout que moi-même, je suis fier parce que c'est une Pigo Award qui fait la communauté. Hein. Pour moi-même, c'est un prix qui est vraiment prestigieux. C'est un accomplissement, c'est un pas vers. Objectif moins qui c'est aller plus loin de jour en jour.
Est-ce que vous jouez dans le film que Ronny Lubin l'a réalisé? Oui, Jean-Ronny Lubin, un ami personnel d'ailleurs. Mm-hmm. Oui, je joue dans Méchant Cousin 1, Méchant Cousin 2, côté pas yon proxénète. C'est ton victime. Madame moi justement t'a trompé moi et il était le cousin m'était venu au courant que madame moi t'a trompé de pour madame moi pas assurer que cousin n'a pas de vini dim ça lui même ni fait li tenté cousin nan pour cousin nan gon relation sexuelle avec ce que le pas fait le ça le fait lui juste fait me croire que cousin nan essayer violer qui vient mettre me dos à dos avec elle mais on connaît la vérité sort toujours du tout. Donc par la suite nous vinn comme ça puis magie en conséquence. Au jeune acariatre. Oui. Qu'est-ce qu'a dit nous de rôle côté jeune acariatre. Acariatre de Paul Henri Attis, encore un ami parce que tout réalisateur de saison. En fait, ça qui vient arriver c'est que me sont monde qui facile de tempérament, me croit en relation monde à monde, penser que toute relation marche premièrement entre mon amour moi m'avoir si en tant que monde nous pas une relation respect une pour l'autre nous pas une relation ça que n'a partagé la kounya donc par la suite nous toujours vins amis la carrière c'est un film qui vraiment extraordinaire pour la simple et bonne raison que c'est un sujet que yo pote ko jam développer dans milieu cinéma et qui vraiment il y a tout important aussi parce que haïtien le plus souvent yo pa vle web psychologue parce que les web psychologue yo pensé c'est moun fou yo OK donc c'était histoire yon nèg qui t'était remè en fi et papa fiyan pa tremèl parce que le pa gen en pile cob finalement l'on discussion justement fiyan te gen à papa par rapport à ça fiyan te enceinte il tombé dans l'escalier, il perdu petite Lille, il était enceinte d'un petit garçon, puis monsieur lui-même n'est pas qu'à accepter qu'il était perdu petit garçon qui vient faire que malgré par la suite, il vient une petite fille, il est toujours bien mettre en tête lui que son petit garçon le gagne et l'a joué de façon fictive à un petit monde qui pas existé. Donc moi-même c'était bons amis qui t'a supporté, les collègues de travail et tout qui t'a aidé le sortir dans trou. Qu'est-ce que modèle ou Jules, dans le domaine cinématographique, là, à travers Modelan, pour ne pas dire dans le pays d'Haïti aussi. Ok, moi, j'ai un acteur que j'ai aimé qui a évolué aux États-Unis en pile, qui c'est Denzel Washington. Okay. Moi, j'ai aimé pour la simple et bonne raison que son monde, de façon personnelle, qui est très humble, qui est très simple, moi, j'ai aimé sa simplicité. Pour lui-même, ils sont humains avant d'être une star, il pas essayer vivre tant qu'on star et surtout parce que il glissait sous plusieurs personnages. Moi mais ouais ça l'on monde jouer méchant, ou jouer victime, ou jouer conseiller. Donc c'est un monde que moi en pile pour ça. Gagne un acteur hollywoodien, c'est Antoine Ben, tu connais? Oui. Est-ce que je vais voir côté déjà? Oui, je jouais deux films avec elle, La Carriade, parce que c'est lui-même qui était psychologue dans La Carriade. Et je jouais avec elle tout, encore de Paul Henri Attis, le réalisateur qui malheureusement n'a pas sorti et que nous-mêmes nous n'avons pas eu chance, mais très bientôt, le supposé jouer en Haïti. Déjà, on peut parler avec Paul Henri Attis par rapport à ça. Et c'est un type très bien. Ça qui est plus étonné, c'est que son acteur hollywoodien, le monsieur rencontré avec lui, c'est même réaction par rapport à Sans Prendre Souffle. La décortique Sans Prendre Souffle avec lui, la dit que le remède. Bon, monsieur était Sans Prendre Souffle. Donc, senti très bien. Oui, je joue avec lui, c'est très agréable de partager un plateau avec lui. Ok, dis-nous qui sont en termes de perspective dans le domaine cinématographique. Là. En fait, moi-même, c'est travaille mettez talent à profit de tout réalisateur qui ouais nécessité li pour utiliser cinéma premièrement pour nous créer une industrie côté on jeune le li fini l'école li gen doit décider faire une carrière en cinématographie et que financièrement la ka subvenu a besoin famille et deuxièmement utiliser talent à travers films qui sont moyens de communication pour montrer le monde entier qui talent qui gagne dans la communauté haïtienne nan, pour montrer le monde entier bel pays ça belle culture ça que haïtien gagne qui malheureusement c'est pas lui que qu'on affiche de façon générale.
Ou t'es quitté Port-au-Prince ou aller Canada, dis-nous, là, t'es fin crivé, comment vie t'es, est-ce que t'es facile? En fait, déjà, départ là, t'es difficile parce que m'te quitté pour la simple et bonne raison que t'es fait une tentative de kidnapping sous moi en 2005. Okay. Donc, déjà, mon départ était brusque, m'pas préparé pour ça, m'pas voulu ça. Donc, un départ involontaire. Involontaire. Donc, l'arrivée, c'est sûr, pas de coprès pour partir ou pas de partir. Donc, adaptation était un peu difficile, mais ça a été fait assez rapide après pour m'adapter. Ok, est-ce que vous comptez réaliser des films en vidéo? Pour le moment, je suis un chapeau acteur parce que chaque monde a sa place, c'est okay. Mieux pour l'industrie. Ok, est-ce que vous avez un conseil pour Haïtien Cap Gado là sur Télévision Pacifique qui t'a lancé dans le domaine cinématographique là? Oui, je dis tout le monde que le cinéma n'a pas mouru, que c'est important que nous-mêmes nous vraiment supporter ça. Et une façon pour nous supporter ça, c'est pas acheter copie ou du moins aller par exemple sur International Flix côté nous qu'à download des films yo, pour empêcher piratage, pour aller regarder. Parce que si l'industrie a un système bien établi pour éviter piratage, producteurs, réalisateurs ont bien plus scope pour faire plus de films et montrer valeur pays à travers les films. Bon, Monsieur Jules Graffy Junior, merci parce que tu as accepté de répondre à question nous dans l'espace invité sur Télévision Pacifique. Merci en pile. Et merci à vous-même pour l'honneur que vous faites avec tout le staff là pour nous recevoir là. Et merci d'être que vous permettez-moi d'entrer dans le salon. Tout téléspectateurs. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci parce que vous avez suivi nous. Restez branchés Télévision Pacifique pour la programmation.